C'est quoi la dépigmentation? Quoi? Dépigmentation. Désolé, je ne connais pas. La dépigmentation, moi, je ne connais pas mon frère. C'est les gros français, moi, je ne connais pas mon frère. Ouais, c'est quoi la question comme ça? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle réponse vous donner, franchement. Avant de commencer, dédicace spéciale aux deux premiers commentateurs de notre vidéo précédente qui sont Alex Martial, Kemenye Djoum et Fujus Brice. Merci à vous. Êtes-vous pour ou contre la dépigmentation? Ok, et au Cameroun, on appelle ça le Johnson. Bonjour, moi c'est Joss B, des Rolo 237. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager, de nous laisser votre avis en commentaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Alors moi c'est Gaitaji des Relou 237. Et vous? Moi c'est Match. Match. Matt Mireille. Ah, Matt Mireille. D'accord. Alors j'ai une question pour toi. Tu es prête? Ouais. C'est quoi la dépigmentation? Quoi? Dépigmentation. Désolé, je ne connais pas. Comment la fille a fait des petits? La dépigmentation. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il a demandé que vous soyez dur avec moi. Prends ton temps. Et là, franchement, vous êtes vraiment dur avec moi. Bon, écoutez. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle réponse vous donner, franchement. C'est quoi la dépigmentation? Là. La dépigmentation. La dépigmentation, moi, je ne connais pas mon frère. C'est les gros frères. C'est moi, je ne connais pas mon frère. Attends. La dépigmentation. Non, si tu connais pas, si tu connais pas, c'est tout. Ouais. C'est quoi la dépigmentation? C'est quoi la question comme ça? Qu'est-ce que la dépigmentation? Je ne connais pas. Bon, Indian sang là. Ah, le Indian sang. Oh, là, le Indian sang est cream. Cream là. La people use to. That black people use to change their color to white. La dépigmentation, c'est le fait de changer la couleur de sa peau en utilisant les huiles qu'une femme peut utiliser pour changer quoi. Les femmes. Oui, les femmes, bon, les hommes aussi. Hey, le Johnson. Le Johnson. Tu peux expliquer? Le décapage de la peau. C'est quoi la dépigmentation? Ouais, c'est le décapage en un seul nom. Tu as entendu parler du terme Johnson? Oui, le terme là, oui, Johnson. Tu peux nous expliquer? Explique-nous quoi. Ok, d'après toi alors, le Johnson c'est quoi? Le Johnson c'est le fait de se décaper, bon, je sais pas, de changer la couleur de la peau. Ceux qui mettent trop d'huile sur leur corps, moi, hein, c'est comme on appelle un Johnson. Quand tu aimes Camerounais, là, c'est le Johnson. Le Johnson. Ouais, et les Ivoiriens, ils appellent ça le tchatchoui, c'est le tchatchoui, c'est ça, non? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses du Johnson, là? Le Johnson, tant que déjà on sait que le Johnson c'est un condiment qu'on connaît au Cameroun. Johnson, un truc comme le Mbongo, je sais pas, ça aromatise. Mais les filles au Cameroun appellent le Johnson, je sais pas si c'est le lait de toilette, si c'est un mélange de trucs qui change le teint, c'est quoi qu'ils disent là. En fait, c'est un peu ça. Et c'est que moi j'essaie du Johnson au Cameroun. Tu as eu à connaître un homme dans ta vie qui fait une Johnson en fait? Non. Pas encore. Est-ce que tu aimerais donc le connaître? Est-ce que tu aimerais? Non, je n'aimerais pas. Non. Ah d'accord. Tu es pour ou contre les femmes ou les hommes qui font une Johnson? I don't have a problem with that. It's your choice. Ah. Yes, I don't have a big deal with that. If you're actually doing that and it fits your skin, I don't have a problem, but if it's destroying your skin, then that's where the problem arises, you see? If it's good on you, there's no big deal, but if it's spoiling you or your body, then I think there's a problem there. But it's their choice, it's left on them. I don't judge them by their skin colors. But if it's spoiling your skin, then there it's bad. There you don't actually know what you're doing. Moi, personnellement, je suis contre. Les pommades de l'eau, le côté sont naturels. Pourquoi? Parce que je vois la peau noire, c'est la meilleure peau là. La meilleure. Moi je me préfère ainsi. Contre. Pourquoi?
parce que c'est pas bon. C'est que Dieu t'a créé avec un teint naturel, tu dois rester avec ce teint naturel, c'est tout. Le chien aboie, la caravane passe. Ah d'accord, est-ce que tu as eu un mec qui fait l'indien ensemble? Par exemple, tu n'aimerais pas en avoir? Même pas un rêve. Mon frère, c'est contre, mon frère. Contre, pourquoi? Car le diable, tu vois, tu te rends compte que tu vois une coupe. Ici, là, elle a au moins, il y a au moins 5 teintes sur elle. Ici, elle est rouge, la bambi, elle est rouge, elle est brune, elle est noire, elle est multicolore. Elle est tout couleur, en fait. T'es cherché, tu n'as pas de problème. Mais les gens disent que comme elle est brune là, c'est bien, non? En fait, c'est bien pour certains. Pour certains. Bon, il y a certaines tribus sur le Cameroun, peut-être comme les Bouddhas. Les Bouddhas aiment les filles brunes. Les filles qui aiment les filles qui font le jansan, elles aiment ça. Bon, moi personnellement, je n'aime pas les filles. Toi qui? Ah, ok. Et tu as déjà eu à avoir quand même une petite amie qui fait le jansan? Oui, oui, récemment, c'est la même. Récemment, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus avec elle? Je sais pas, bon, peut-être je n'avais pas les dos, comme on dit souvent, parce que c'est le lait, c'est un lait toilette. Je sais pas, il y a les laits de toilette qui ont déjà les multiples produits là. Non, on est contre. Est-ce que vous avez connu des hommes ou des femmes, un proche quoi, qui fait cela? Beaucoup. Vous êtes contre pourquoi? Il faut nous dire pourquoi vous êtes contre. Bah, parce que tout d'abord, je trouve que en langage camerounais, le ndjan, ça c'est. C'est pas une bonne chose vu que le noir c'est la peau des dents. Donc c'est une pelle. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez une petite amie qui fait cela, qui fait l'indiançon? Non, pas du tout, jamais. Est-ce que vous aimeriez en avoir? Ça n'arrive pas d'arriver. Aujourd'hui vous allez voir les hommes venir m'insulter. Surtout les hommes qui ont coco 30 secondes. Un homme qui fait 30 secondes, il est trop nerveux. Pour ou contre cela? Je suis pour, mais j'avoue ma sa vie. Ferme ta bouche, ferme vos bouches un peu. Ah, tu es pour l'indien sang? Pourquoi? Pourquoi tu veux nous expliquer? Donc on peut mettre pour l'indien sang, peut-être embellir un peu leur peau, mais. Ah, parce que tu penses que. Exagère. Ah, parce que tu penses. Moi, je peux pas mettre quand même. Ah, d'accord, mais tu es pour quand même. Bon, est-ce que tu as eu un petit ami qui faisait cela? Jamais. Tu aimerais en avoir quand même? Non. Mais non, pourquoi? On dit qu'ils sont souvent mignons quand ils sont bruns là. Non, je n'aime pas les gens qui sont bruns parce que ceux qui sont bruns sont parfois, comment dirais-je, bon, ils se sentent. Tu veux dire brun artificiel ou brun naturel quoi? Les deux. Les deux, donc tu n'aimes pas les bruns en général? Non, non. Tu as eu un petit ami qui l'a fait, qui lui fait? Pas du tout. Pas du tout? Oui. Tu n'aimerais pas en avoir? Non. C'est même ton mec là. Non, c'est non, ton mec là. Si je sens qu'il est dedans là, je prends mes distances, je prends ma route là. Bon, je si tu te fais comprendre qu'avec ça, il serait plus mignon et tout. Non, on arrête tout. Mais pourquoi? Est-ce que tu aimerais donc avoir une nouvelle petite amie qui fait l'indien sang? Non, non, on ne peut pas. Tu préfères les naturels? Oui, je préfère les naturels. Ça, c'est dépasse. Bon. Quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes-là, que ce soit filles comme garçons qui font l'indien sang? En fait, conseil qu'il peut donner, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que à la longue, ça peut te décaper la peau. En fait, ça affaiblit la peau, si je ne me trompe pas. Ça fait les couches. Bon, ce n'est plus naturel. Ça change complètement. Tu vas te rendre compte à la longue, si peut-être tu as 20 ans, si peut-être à la longue tu as peut-être 35, 40 ans, tu vois, ta peau ne serait plus comme celui normalement qui peut-être n'a pas fait les faux trucs au passé. S'il arrivait que tu as une petite amie qui fait cela, est-ce que tu as un problème à cela? Oui, un problème grave. Je l'ai connue noire ou je l'ai connue telle qu'elle est. Je ne veux pas qu'elle change de peau, c'est tout. Ah d'accord. Et tu as un conseil à donner à toutes ces personnes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui font la dépigmentation? Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Oui, ce que je vais dire, c'est on sait que le naturel est toujours profitable que l'artificiel. Donc c'est mieux de garder sa peau. On sait il y a le cancer dehors, les maladies. Tout ça, c'est déjà la dépigmentation, c'est tout. Juste que garder le teint naturel, c'est tout. C'est tout. Décapage, c'est à rien. Rien, ça n'apporte rien.
I advise them to stop it because it's not good for your health. C'est pas bon pour le santé. Quand tu mets comme ça, ça va pas durer plus longtemps. Which advice you give for them? Destroy their body. If you are sick now, they have to operate you. They will not be able to stitch the place because your body is soft. You feel the upper layer of your body. Yes. Quel est le conseil que tu peux donner donc à toutes ces personnes qui se décapent, ces femmes, ces hommes? Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, le conseil que je peux donner, c'est de garder vraiment l'authenticité. Le quoi? L'authenticité. Oui, l'authenticité. C'est le bio là, comme au Cameroun. Le bio, franchement, ça ne sert à rien de se décaper, d'utiliser ses huiles pour devenir jaune ou je ne sais pas. Ça ne sert à rien tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Bon, vu que tu es pour déjà, tu peux leur dire quelque chose, même si ce n'est pas un conseil, un avis quoi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'elles peuvent mettre de l'huile, mais elles ne doivent pas quand même exagérer. D'après toi, ça a des inconvénients? Ouais. C'est pas ton problème. Ouais, tu penses. Peux te laisser au cas où ta peau est trop habituée aux huiles. Après, tu peux faire peut-être un accident. Reste en état que cette blessure finisse. Ok, merci beaucoup. Non, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi. I prefer you stay natural. Ok, merci beaucoup. Thank you, bro. Thank you. Désormais, les jeudis et les dimanches à 18h, toutes nos nouvelles vidéos, vous les avez sur la boule de son français. Moi, je dis 18h, les gars. Les gars, c'est 18h. Tous les jeudis et dimanches, 18h, les relous de son français. On a changé le logo aussi, vous avez remarqué. Ouais, allez les gars, okay, ciao. Abonnez-vous, faut liker, faut partager, n'oubliez surtout pas ça.